est bien. Il semble que nos sociétés ne vont pas bien. Pourtant, tout nous unit, même les étoiles. Et dans l'urgence sociale, des personnes espèrent un nouveau siècle de lumière, un pays porteur de gestes solidaires. Elles veulent bâtir de nouveaux territoires et faire apparaître des gisements de culture. Elles souhaitent une politique qui lie l'écologie, le social et l'économie. Entendre la voix des sans-voix. Elles tissent des liens et tracent d'autres chemins. Rassemblent des richesses humaines. Elles appellent à la transformation sociale d'un système pour une terre et des sociétés en santé. Elles sont des organisatrices et des organisateurs communautaires. Mon souhait serait que l'ensemble des municipalités du Québec adoptent une approche de développement des communautés. À Scott, ce qui se fait là-bas, c'est vraiment formidable, on en est très fiers. Il faudrait peut-être revoir notre façon de travailler ensemble, notre façon de se rencontrer. C'est extraordinaire ce qu'on peut observer sur le territoire. Les gens sont en lien, les gens se parlent, il se passe plusieurs actions ici, plusieurs organisations. Dans le monde, les inégalités sont grandissantes et de nombreux territoires présentent des indices de défavorisation matérielle et sociale de plus en plus important. Le Québec ne fait pas exception à ces réalités, avec ses conséquences sur la santé, sur l'espérance de vie, par exemple. Le territoire d'Ascot, à Sherbrooke, en Estrie, est un de ces quartiers, à la différence qu'il s'est engagé depuis 3 décennies dans une démarche de revitalisation urbaine et sociale qui est venue changer les choses. Dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir une pratique d'organisation communautaire reposant sur l'approche socio-économique, approche aussi appelée de développement local. Maintenant, nous allons voir comment Alexandre, un organisateur communautaire du CIUS de l'Estrie, a accompagné et a aidé à mobiliser les leaders, les citoyens du quartier, les organismes, les élus, les institutions, de manière à créer un pouvoir collectif, un acteur collectif, on pourrait dire, et d'assurer le développement du quartier. Il y avait certains problèmes qui étaient présents au niveau du quartier. Bon, problème de pauvreté, problème de vandalisme, problème d'isolement des citoyens, ce qui a fait en sorte que les gens ont ressenti le besoin de se regrouper. Au début des années 90, le quartier d'Ascot, qui avait très peu de ressources communautaires dans le quartier, en fait, et il y avait un besoin. L'organisation communautaire a décidé d'intervenir sur ces territoires parce qu'au départ, il y a eu une demande qui a été formulée par 2 conseillers municipaux qui se sont adressés au CLSC et qui ont demandé à ce qu'il y ait une intervention ici en organisation communautaire. Et le CLSC a accepté, a décidé d'intervenir ici. Donc, c'était un engagement de sa part pour pouvoir intervenir sur les problématiques qui touchaient ces territoires ici. En parlant des problématiques, on peut parler de la question de la pauvreté. Je pourrais aussi parler de la question de la sécurité dans le milieu, la question de l'exode urbain, la question de la réussite éducative. Donc, autant des problématiques sociales sur lesquelles il fallait intervenir. Mais au départ, le projet s'est axé beaucoup sur l'environnement. Donc, on a nettoyé les berges de la rivière Ascot. Ensuite, on a planté des arbres. Puis ces projets-là ont permis de mobiliser les citoyens autour de ces objectifs-là. Donc, c'était au tout début. L'idée, c'était vraiment de dire, bien, on va donner une voix aux gens du quartier. Et c'est là qu'avec un organisateur communautaire qui a joué un rôle important dans la mobilisation des acteurs autour de cette idée-là, dire, bien, écoutez, il faudrait peut-être revoir notre façon de travailler ensemble, notre façon de se rencontrer. Hein. Ce qu'on a commencé à faire, donc, c'est des assemblées de quartier. D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Marie-Claire, c'était à une assemblée de quartier, tu te souviens? Puis, tu t'étais présenté, on appelait ça la grande brassée. Chaque personne se présente et informe les autres. Et tu cherchais un travail à ce moment-là. Et je l'ai trouvé 15 jours après. L'organisation communautaire arrive sur le territoire et notre première intervention consistait à mobiliser d'autres acteurs, par exemple la paroisse, les écoles du quartier, les organismes communautaires, pour se donner une vision commune, pour travailler ensemble afin de régler les différentes problématiques qui ont été soulevées et observées sur le territoire d'Ascot. J'étais directrice d'un CPE du quartier. C'est l'organisateur communautaire du CLSC de l'époque qui était venu me rencontrer, qui avait sollicité ma participation à la table. Concrètement, j'ai découvert
que j'avais une certaine capacité à mobiliser les gens. Puis en voyant la réaction des citoyens, leur fort taux de participation, bien, c'est comme les résultats qui donnent un élan pour poursuivre. Bien, l'organisateur communautaire a pris le temps de venir me rencontrer avec le directeur de l'école secondaire parce que la table de concertation, c'est une table de concertation qui existe depuis plus de 30 ans, qui a un plan d'action et l'école est au cœur de son quartier. Donc, pour eux, c'était important que la contribution de l'école, la participation, l'implication soit là. Donc, ils ont pris le temps de venir m'expliquer c'était quoi ça, une table de concertation citoyenne et quel rôle je pouvais jouer, mon équipe école et moi, pour soutenir les familles du quartier. Donc, j'ai vraiment été là, prise en charge et l'engouement a suivi tout de suite. L'autre stratégie, c'est le renforcement des capacités des organisations et des citoyens qui habitent sur un territoire vécu, un territoire d'appartenance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont ces citoyens-là qui vivent ces problématiques-là. Alors, il faut les mettre à contribution. Et pour ça, dans le cas d'Ascot, plusieurs actions sont organisées justement pour aller solliciter cette participation de ces citoyens-là. Par exemple, les forums citoyens. Il y a un journal des quartiers qui permet de faire des liens entre les citoyens et les organisations. Il y a des fêtes rassembleuses. Donc, toutes ces activités continuent à accroître ce sentiment d'appartenance. Pour Famille Espoir, un des projets auxquels on a rapidement adhéré, c'était le projet d'embellissement du quartier. On fleurit notre coin de quartier. Par exemple, on dirait fleurir en quoi des fleurs dans un quartier? Oui, c'est bien joli, là, c'est beau, on travaille sur le cadre de vie en quelque part, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Donc, fleurir le quartier, c'était une activité où les gens venaient faire du rempotage, mais les citoyens étaient invités, donc on se rendait chez Famille Espoir. On avait un gros tas de terre, les parents, les enfants du quartier s'installaient là et passaient la journée ensemble à faire du rempotage. On rempotait une coupe, tu sais, 1500 ou 2000 plants de fleurs et qu'on distribuait. Par exemple, une année, le thème, c'était « Donner une fleur à votre voisin ». Ça, c'était pour nous des moyens de créer des liens entre les citoyens, de briser l'isolement social et donc de faire quelque chose, de créer une vie, d'essayer de permettre aux gens de se connaître. C'est une façon formidable qu'Ascot en santé a trouvé pour montrer l'apport des communautés culturelles dans Ascot. Le souk pour la personne immigrante que je suis est une occasion de valoriser mon apport dans la communauté. Nous arrivons, nous avons des connaissances, nous avons des valeurs, nous avons un vécu que nous voulons partager. Et lors du souk, nous avons donc l'occasion de montrer à la société d'accueil ce que nous savons faire. Dire une activité que j'apprécie, pour moi c'est difficile parce qu'il y en a tellement. Le souk, voisinage en fête, fleurir le quartier, l'éveil à la lecture et à l'écriture, entre autres, mais si j'avais à en choisir une, je pense que je choisirais voisinage en fête. C'est une activité qui se passe à l'extérieur. Les organismes communautaires y sont présents. C'est festif. Ça regroupe énormément de personnes. Alors, comme la participation est excellente, bien, on a le goût de la poursuivre d'année en année. Le Baobab Café de quartier, c'est un espace de rassemblement participatif qui a été mis sur pied par l'accorderie de Sherbrooke et la table de concertation Ascot en santé, qui a pour objectif de dynamiser les solidarités dans le quartier. Et en fait, dans le processus de création du Baobab, on a beaucoup bénéficié du support du service d'organisation communautaire du CIUS de l'Estrichus, qui nous a permis, entre autres, de nous réseauter avec les partenaires puis de nous mailler avec les intervenants du milieu. Et personnellement, en tant que citoyen d'Ascot depuis 26 ans, je participe à toutes les activités d'Ascot en santé. Et pour moi, c'est l'âme et la vie du quartier. Concrètement, ce qu'on a vu dans notre quartier, c'est que les citoyens ont exprimé le souhait d'avoir des services de proximité. On pense à la pédiatrie sociale, à l'intervention de quartier, au service aux aînés, à la friperie. Tu sais, c'est tous des services qui sont devenus des services de proximité. Comme nous avons pu le constater dans le quartier d'Ascot, on passe d'une logique de dévitalisation,
tant sur le plan social qu'économique, à une mobilisation autour d'un projet d'autodéveloppement. Pour une personne organisatrice communautaire, il y a là un processus typique d'intervention communautaire auprès d'une communauté territoriale. Il y a une analyse du milieu avec le constat des problèmes vécus dans le quartier. Activement, voire proactivement, on cherche ensuite à trouver et faire émerger des leaders. Ensuite, l'organisateur communautaire contribue à la mise en œuvre d'activités de quartier, avec une forte participation de la population. C'est développer le pouvoir d'agir, les liens de confiance, le rapport aux organismes et aux institutions. On parle alors d'une citoyenneté active. Abordons maintenant les différents rôles de la personne organisatrice communautaire et les conditions favorables à mettre en place pour développer cette approche socio-économique de l'organisation communautaire. On a plusieurs rôles. On a le rôle d'animation, on a le rôle de mobilisation, on a le rôle d'agent de liaison, facilitateur. Nous sommes des agents de développement. Donc, il y a aussi un rôle de leader qu'il faut assumer. L'organisateur communautaire a été proactif, a vraiment porté des dossiers sur plusieurs aspects. Je parlais tantôt du vivre ensemble, mais il y a toutes les questions du logement, les questions, de la sécurité alimentaire. Donc, sur divers enjeux, l'organisateur communautaire était présent et puis portait la vision qui était la vision des citoyens du quartier. Il fallait aller au-delà des particularismes. Évidemment, Famille Espoir, on a été interpellé comme organisme famille, et donc la préoccupation des familles, mais il fallait être capable aussi de comprendre les préoccupations de tous les citoyens. Alors ça, c'est un peu le rôle de l'organisateur communautaire, c'est d'amener ça. Il faut surtout savoir qu'il y a plusieurs rôles qui sont très intéressants et je dirais même très passionnants. Par exemple, la question d'animation, animer des processus, animer des réunions, donc ça fait partie de notre rôle. Il y a le rôle de mobilisation, il y a le rôle d'agent des liaisons, il y a le rôle de facilitateur. Et comme agent de développement dans un territoire, on se doit aussi de jouer, d'assumer un rôle de leader. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être celui qui est devant la caméra, mais c'est de travailler avec les citoyens. Pour faire. Un enjeu important qui suit ça, c'est le fait qu'il y a des organisations qui vont peut-être vivre un peu d'essoufflement, parce que siéger sur plusieurs tables, ça devient difficile. Quand on a, par exemple, des enjeux au niveau alimentaire ou des enjeux, de sécurité, eh bien, il y a des organisations qui ne peuvent pas être partout à la fois. Mais un des enjeux, selon moi, qui devrait être considéré, c'est de s'assurer que les services publics, dans leur logique de programme, tiennent compte des démarches comme celle d'Ascot en santé, qui, au départ, est soutenue par une communauté. Il y a une autre détermination de cette communauté-là pour pouvoir travailler sur son propre développement. Donc, il faut s'assurer que les services publics adhèrent à cette façon de faire, à cette logique. Bien, le territoire, c'est un petit secteur qui est vraiment à échelle humaine. Et on construit le territoire, tous les organismes, les partenaires, les familles ensemble. Donc, il y a vraiment un réseautage qui se crée, puis une proximité. Donc, les citoyens se sentent à l'aise d'aller vers les institutions, les organismes du quartier. Et c'est ça qui fait que ça construit Ascot en santé et le quartier. Bien, pour la santé publique, il y a différentes façons d'agir. Puis je pense que plusieurs personnes nous connaissent comme une entité où est-ce qu'on dit aux gens un petit peu quoi faire, puis on agit pour protéger leur santé là, face à des menaces. Mais ça, c'est seulement un petit volet. Il y a tout le volet de la promotion de la santé où il n'y a pas 36 façons de faire. Il faut vraiment travailler avec la communauté, avec les citoyens. On veut vraiment travailler proche de ces milieux-là. Et pour ça, quoi de mieux que de travailler avec nos organisateurs communautaires qui sont nos yeux, nos oreilles, qui connaissent le terrain comme personne d'autre. Et ça, en Estrie, je trouve qu'on a la chance d'avoir vraiment une belle dynamique communautaire. On est impliqués un peu partout, comme par exemple Ascot, ce qui se fait là-bas, c'est vraiment formidable, on en est très fiers. Je pense que l'exemple d'Ascot en santé est un exemple très inspirant et mon souhait serait que l'ensemble des municipalités du Québec adoptent une approche de développement des communautés parce que c'est une approche rassembleuse et qui permet une grande participation citoyenne.
Mais il y a moins de départs du quartier, donc les gens restent dans ce quartier. Il y a plus de réussites scolaires. On sait que c'est très important de l'éducation, donc c'est extraordinaire. Il y a moins d'isolement social. Les gens sont en lien, ils veulent être en lien, ils participent aux activités. Il y a plus de services de proximité, par exemple l'intervention de quartier, la corderie, le café populaire récemment mis sur pied, les cuisines collectives. Donc c'est un territoire qui est formidable. Parlons maintenant de quelques composantes et conditions de cette approche socio-économique de l'organisation communautaire. Nous avons abordé auparavant l'intersectorialité. Il y a aussi le territoire en tant que construction sociale, économique et communautaire. Par la mise en lien des acteurs, on construit le territoire et ces acteurs dans de nouvelles capacités et de nouvelles fiertés. L'objectif est la mobilisation, mais surtout la mise en lien des acteurs du milieu. C'est avec eux que l'organisateur communautaire va bâtir des plans d'action. Le dernier temps de ce processus d'organisation communautaire en est un d'évaluation. On fait état des réalisations, du travail accompli, des retombées pour la collectivité et comment on travaille ensemble. C'est aussi un temps d'évaluation pour relancer l'action. Les déterminants sociaux sont reconnus comme un facteur incontournable pour assurer la santé des populations. Les déterminants sociaux ne sont pas qu'une affaire de revenus personnels. C'est aussi une affaire de lieux, d'espaces qui permettent ou non aux gens de développer leur pouvoir d'agir sur leur environnement et dans leur vie. Finalement, abordons quelques conditions requises. L'accès à un financement durable, de soutien au processus d'animation locale et au développement de projets issus des communautés, l'engagement des services publics et finalement la reconnaissance des savoirs d'accompagnement de l'organisation communautaire des établissements de santé et de services sociaux. Il nous reste à remercier toutes les personnes, citoyens, intervenants qui ont accepté notre caméra. Et à souhaiter longue vie à l'action d'ASCOT en santé.